Même dans le noir, tu nous donnes de l'espoir. Ya Mohammed, Rasoul Allah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد شهر فرير السلام شهر تلسبيتاتر وديتر بمفيري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صحيح لي بينفيني على كود دي فوتر ميسيون سلامي كو دمادر وبيتو votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer, d'apprendre les uns des autres. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays, le Niger, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Allahumma amin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, voici la troisième et dernière partie de notre thème intitulé « Comment donner une orientation positive à sa vie ?» Que Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme à son bon traitement et nous en fasse profiter ensemble. La louange appartient donc à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit dans son puissant et inattaquable livre, le noble Coran, « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Sachez, chers frères et sœurs islam, que votre Seigneur Allah vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés et a rendu chaque homme responsable de son devenir ici-bas et après la mort, conformément bien sûr à ses actions, à ses comportements, comme il l'a dit, subhanahu wa ta'ala, « Wala taksibu kullu nafsin illa alayha » ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم ارجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, chacun acquiert le mal également le bien qu'à son seul détriment. Personne ne portera le fardeau d'autrui, puis vers votre Seigneur sera votre retour et il vous informera de ce en quoi vous divergez. Donc, ces deux versets ou ces passages coraniques que nous venons de citer, en fait, ça fait trois émissions, nous les répétons, c'est donc une sorte de page de garde. Par conséquent,
nous n'allons pas nous appesantir dans leurs commentaires. L'incombe ainsi à chacun de nous d'œuvrer pour la réalisation de sa présence terrestre et l'affirmation de soi. Chers frères et sœurs islam, voici donc la troisième et dernière partie de notre thème, comment donner une orientation positive à sa vie. Sachez que pour pouvoir orienter sa vie de façon positive, l'homme a besoin de trois supports ou moyens fondamentaux et incontournables, à savoir le premier moyen, la capacité de programmer sa vie productive. Nous avons vu lors de l'émission passée que la question de la programmation n'est pas une chose nouvelle ou innovée en islam. Au contraire, c'est en islam qu'on trouve la planification de toutes choses et nous avons suffisamment détaillé ce premier support dans l'émission passée, plutôt que le sermon passé. En fait, ce thème, nous le traitons à travers l'émission, à travers la radio et la télé, et également sur les membres, c'est-à-dire le jour de vendredi. Donc, lors de l'émission passée, nous avons vu le premier support, c'est la capacité donc, de programmer sa vie productive. Et nous avons vu les avantages d'un programme, et, donc, qu'il soit quotidien, qu'il soit hebdomadaire, qu'il soit mensuel, etc. Eh bien, il y a une différence entre celui qui a un programme et celui qui n'en a pas. Celui qui a un programme, comme nous l'avons vu, c'est un homme équilibré. C'est un homme qui sait ce qu'il fait et également qui peut attendre des résultats. Donc, qui peut en tout cas espérer atteindre des objectifs qu'il s'est fixés, contrairement à celui qui n'a pas d'objectif dans la vie, qui erre donc par conséquent. Chers frères et sœurs islam, nous allons rappeler que pour être équilibré, l'homme doit satisfaire tous ses besoins, à savoir les besoins matériels, les besoins spirituels, les besoins sociaux, les besoins idéologiques, les besoins psychologiques, etc. Parce que tous ces besoins se trouvent en l'être humain. L'être humain n'est pas un ange, n'est pas non plus un djinn, il n'est pas non plus un satan, mais c'est un être qui a des besoins et qui a également un côté spirituel. Il a un côté donc corporel physique et il a un côté spirituel. Il peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme les anges, il a des besoins comme les autres créatures. Par conséquent, pour être équilibré, il faut nécessairement qu'il arrive à satisfaire tous ses besoins. Les besoins matériels, spirituels, sociaux, idéologiques, psychologiques, etc. Puisque tous ces besoins puisque ces besoins sont nombreux et multiples, eh bien pour pouvoir les satisfaire tous, il faut les réduire, comme nous l'avons dit, au même dénominateur commun. Le musulman doit donc les réduire au même dénominateur commun, qui est la recherche de la concrétisation, de l'adoration et par conséquent la recherche de la satisfaction de Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on a en mathématiques plusieurs fractions qui n'ont pas les mêmes dénominateurs, et bien pour pouvoir les additionner, et bien il faut les réduire au même dénominateur commun. Et bien c'est la même chose ici, pour que les musulmans puissent équilibrer, puissent satisfaire tous ses besoins, et bien il faut qu'ils les réduisent au même dénominateur commun, qui est la recherche de la concrétisation de l'adoration et par conséquent la recherche de la satisfaction de Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, à travers tout ce qu'il fait, de petit ou de grand, d'important ou d'infime, eh bien, qu'il le fasse individuellement ou collectivement, tout seul ou en public, eh bien, à travers tout cela, tout ce qu'il fait, il cherche la concrétisation de l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration pour laquelle il a été créé et placé sur cette terre, et également à travers cela, la recherche de la satisfaction de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui a cette intention, eh bien tout ce qu'il fait, toute sa vie devient en fait adoration. Et parce que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, innamal amal binniya. Nous avons donc l'intention qui transforme même la vie profonde en adoration, et la mauvaise intention qui peut transformer même les adorations en péché. Par conséquent, pour que le musulman soit équilibré, eh bien, il faut qu'il arrive à satisfaire tous ses besoins. Surtout, plus on grandit, plus les besoins aussi grandissent. Donc, quand on est seul, célibataire, les devoirs, les responsabilités ne sont pas les mêmes. Quand on se marie, et puis quand on commence à avoir donc, des enfants, eh bien, plus on grandit, plus aussi nos besoins grandissent. Il faut être conscient de cela. Par conséquent, il faut se préparer par conséquent à l'augmentation de la responsabilité
également de besoins. Deuxième moyen qui permet de positiver la vie, c'est le deuxième support qui permet de positiver la vie, c'est la connaissance des œuvres qui prolongent la vie productive, même après l'arrêt de la vie physique. Nous avons vu que en islam, le concept de la vie fait qu'il y a deux catégories de vie. La vie physique, c'est-à-dire le nombre d'années qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fixé pour chaque être humain sur cette terre, qu'il ne peut pas dépasser, même d'une minute. Et cette vie, si elle s'arrête, on ne peut pas la continuer. Et la seconde vie, la seconde catégorie, c'est la vie productive. Donc la vie qu'on peut développer, qu'on peut rendre angélique ou satanique, spirituelle ou temporelle, etc. Et bien cette vie, on peut par conséquent la positiver et on peut la prolonger grâce à des œuvres que nous allons voir, et cela même après l'arrêt de la vie physique. Donc en islam, il y a des œuvres dont la récompense continue de parvenir dans le compte de l'homme, même après sa mort, comme le noble Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont affirmé. Donc les sources contraignantes de l'islam, à savoir le noble Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ont donné quelques exemples donc, qui montrent justement qu'il y a des œuvres éternelles. Il y a des œuvres dont la récompense est éternelle, c'est-à-dire tant que l'œuvre continue à être bénéfique aux créateurs, aux créatures plutôt, eh bien, l'auteur aura sa récompense, et cela même après sa mort. Al-mal wal-banun zinatul hayati dunya wal-baqiyatu salihatu khayrun inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. L'ornement de la vie, nous savons que quelque chose qui est orné, qui est embelli, eh bien, il est différent de ce qui n'est pas orné, de ce qui n'est pas embelli. C'est pourquoi les biens embellissent la vie, les enfants embellissent la vie, et ça, on le voit. Il suffit de manquer des biens pour les chercher. Comme aujourd'hui, les gens luttent contre la pauvreté, mais comme nous l'avons dit, il faut plutôt lutter pour l'enrichissement, lutter pour la richesse, plutôt que de parler toujours de la pauvreté. Parce que plus on parle de quelque chose, plus on lui donne de l'importance et plus elle va se présenter dans la vie des hommes. Par conséquent, les biens et les enfants sont l'ornement de la vie. Il suffit de regarder ceux qui sont privés donc de ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala pour se rendre compte effectivement que ça fait partie de l'ornement de la vie, l'embellissement de cette vie. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle espérance. Donc il y a des œuvres, al-baqiyatu salihat, c'est-à-dire des œuvres éternelles dont la récompense continuera à parvenir dans la branche de celui qui les accomplit, et cela même après sa mort. Parmi les baqiyatu salihat, les expressions subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, eh bien ces expressions font partie des baqiyatu salihat, comme cela est confirmé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans la sunna justement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour aller dans le même sens, an Abi Huraira radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir qu'il y a des œuvres, quand on les accomplit, eh bien, la récompense ou leur récompense continuera de parvenir dans la balance de celui qui les a accomplis, même après la mort. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte en effet que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, ce qui parvient aux croyants parmi ses œuvres et ses bonnes actions, après sa mort, il y a un savoir utile. Donc vous voyez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam met le savoir devant. Donc la première de ses œuvres, c'est le savoir utile. Le savoir utile, qu'il soit savoir religieux ou savoir profane, s'il est utile aux gens et qu'on l'a cherché, on l'a mis à la disposition de l'humanité,
pour avoir la récompense auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ce savoir-là, tant que les gens en tirent profit, eh bien, l'auteur aura sa récompense auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi aujourd'hui, des savants comme Al-Bukhari, Muslim, Ibn Kathir, eh bien, nous profitons, nous lisons leurs œuvres, l'authentique recueil des hadiths d'Al-Bukhari ou les tafsirs d'Ibn Kathir. Eh bien, tant que nous lisons leurs livres, eh bien, ils auront leur récompense auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils ne font plus partie de ce monde. Donc, le savoir prime sur toutes choses parce que c'est le savoir qui donc, juge toutes choses. Le savoir prime sur le pouvoir, le savoir prime sur la richesse, le savoir prime sur l'action, le savoir prime sur la parole. Autrement dit, il faut savoir avant de parler, il faut savoir avant d'agir, il faut savoir également avant d'amasser, parce que c'est le savoir qui donc permet de juger tout cela, de juger le pouvoir, de juger la richesse, de juger les actions, le comportement, les paroles. Et c'est pourquoi en islam nous avons le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous fait savoir que la recherche du pouvoir, du savoir est une obligation, est un devoir qui incombe à tout musulman. Talbul ilm faridatun ala kulli muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la première action qu'il a citée ici parmi les sept œuvres dont la récompense est éternelle, c'est-à-dire dont la récompense continuera à parvenir dans la balance de celui qui les accomplit, eh bien c'est le savoir. C'est le savoir. Et ce savoir, alhamdoulilah, la porte est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut chercher le savoir, surtout les savoirs utiles, les savoirs religieux, comme nous avons l'habitude de l'enseigner ici. Les savoirs religieux, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Mais yuridillahu bi khayran yufaqihu fiddin » À quiconque Allah veut du bien, le bien de ce monde, de ce bas monde, le bien de l'au-delà, qu'est-ce qu'il lui fait? Qu'est-ce qu'il lui donne? Eh bien, il lui fait comprendre la religion. La religion qui est la cause donc de sa création, la religion qui est la cause de son emplacement sur cette terre, eh bien, il lui fait comprendre cette religion, de sorte que tout ce qu'il va faire, que ce soit les actes, que ce soit les paroles, que ce soit le comportement, eh bien, pour tout ce qu'il fait, eh bien, le savant, il connaît le jugement de Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait l'acte qu'il a posé, est-ce un wajib qu'il a accompli, ou bien un mustahab, mandoub, ou bien un acte haram, donc, ou un acte makruh, ou un acte mubah, donc les cinq jugements que l'islam donne par rapport à toute œuvre, à toute action que l'homme pose sur cette terre. Soit c'est un wajib, l'islam dit vous avez accompli là un wajib, le wajib c'est l'acte dont l'accomplissement entraîne une récompense et l'abandon entraîne une punition. Par exemple, la prière est un devoir, donc wajib, c'est-à-dire celui qui arrive à l'âge de la puberté et qui remplit les conditions de la prière, eh bien s'il accomplit la prière, il a une récompense auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. S'il n'accomplit pas cette prière, eh bien il encourt une punition auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a également parmi les jugements donc en islam, il y a haram. Le haram, c'est le contraire donc des wajib, c'est l'interdit. C'est l'acte dont l'accomplissement attire une punition et l'abandon pour Allah subhanahu wa ta'ala attire une récompense. Donc il y a une condition pour que le haram soit une adoration. Il faut qu'on l'abandonne à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, la consommation de l'alcool est haram en islam, interdite en islam. Par conséquent, celui qui consomme l'alcool, eh bien, il encourt une punition auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui abandonne l'alcool, là, la condition, à cause d'Allah, pas à cause d'autre chose, pas à cause de la menace d'une maladie ou les conseils des médecins, c'est, tout cela c'est bon, mais on n'aura pas de récompense auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que quand on l'abandonne, quand on abandonne un péché, à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, Allah transforme ses péchés en bonne action qu'il va mettre dans la balance des bonnes œuvres du serviteur de l'au-delà. Par conséquent, la consommation de l'alcool, c'est haram. Ça, c'est le deuxième jugement. Le troisième jugement, l'islam dit que vous venez de poser un acte mandoub, mustahab, c'est-à-dire acte recommandé. C'est l'acte dont l'accomplissement entraîne une récompense, tandis que le non-accomplissement n'entraîne rien. Par exemple, prier deux rakas après la période de zuhur. Ça, c'est acte mustahab, c'est acte recommandé, acte facultatif. Celui qui le fait, eh bien, il a sa récompense. Celui qui ne fait pas, il n'encourt rien.
si toutefois il ne nie pas donc le caractère facultatif de cela. Par conséquent, mustahab, on l'appelle mustahab, on l'appelle aussi mandoub, on l'appelle également sunna, même si aujourd'hui le terme sunna a plusieurs sens. Ça, c'est le troisième jugement. Le quatrième jugement que l'islam nous donne par rapport à ce que nous faisons, c'est l'islam nous dira makruh. Makruh, c'est l'acte dont l'abandon est plus recommandé que l'accomplissement. Par exemple, laver plus de trois fois un membre au cours des ablutions. Le maximum de fois qu'on peut laver un membre pendant les ablutions, c'est trois fois. Eh bien, laver plus de trois fois, c'est makruh. Donc, celui qui l'abandonne, et c'est plus recommandé de l'abandonner que de l'accomplir. Et enfin, le cinquième jugement, l'islam nous dit, Mouba, c'est l'illicite. C'est l'acte dont l'abandon et l'accomplissement sont égaux. Autrement dit, on n'est pas récompensé pour son accomplissement, on n'est pas non plus récompensé pour son abandon et vice-versa. Mais attention, l'acte Mouba, l'acte illicite peut être transformé grâce à l'intention en bonnes heures, en mustahab ou wajib ou haram, donc en fonction de l'intention. Voilà, c'est pourquoi donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les sept œuvres dont la récompense est éternelle, il a commencé par le savoir. Et nous avons dit savoir utile, qu'il soit religieux ou profane, tant que les gens tirent profit de ce savoir et que l'auteur l'a propagé. Et donc, comme le professeur Ansan dit, qu'il a enseigné et propagé, il a propagé à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir donc la récompense, eh bien, la récompense lui parviendra dans la balance, dans sa balance de bonnes œuvres, même après sa mort. Par conséquent, c'est une incitation un peu plus directe à la recherche du savoir. La recherche du savoir, parce que c'est grâce au savoir qu'on peut être indépendant sur tous les plans. Donc le savoir, c'est grâce au savoir qu'on peut donc adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est grâce au savoir qu'on peut être élevé ici-bas et dans l'au-delà, comme nous avons l'habitude de traiter donc le sujet du savoir ici. Par conséquent, la première œuvre, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes ce qui parvient aux croyants, parmi ses œuvres et ses bonnes actions après sa mort, il y a un savoir utile qu'il a enseigné et propagé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. » Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Et qui l'enseigne. Donc il faut apprendre le Coran et l'enseigner. Ça, c'est le meilleur des hommes. Par conséquent, si on veut que nos enfants soient les meilleurs, eh bien, il faut nécessairement qu'ils apprennent le Coran et qu'ils l'enseignent à leur tour. Cela n'empêche pas que nous cherchions donc les moyens qui nous permettent de vivre dignement sur cette terre. Donc, la première œuvre parmi les œuvres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite dans ses hadiths, c'est donc le savoir, un savoir utile qu'il a enseigné et propagé. Un enfant pieux, c'est la deuxième œuvre qu'il a laissée. Donc, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait savoir que quand l'être humain, quand le fils d'Adam meurt, eh bien, toute son œuvre est interrompue, sauf de trois. Donc, parmi ces trois-là, dont l'œuvre continue, avec lesquelles l'œuvre continue, il y a un enfant pieux qu'il a laissé. Donc, un enfant pieux qui va prier en sa faveur. Les invocations de l'enfant pour les parents, pour ses parents, c'est exaucé, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. Également, l'invocation du parent pour ses enfants est exaucée. Par conséquent, il faut faire attention parce que l'invocation est exaucée pour ou contre l'enfant. Par conséquent, il faut savoir ce qu'il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de l'enfant. L'enfant, si on le laisse donc avec l'islam, eh bien, même après la mort, ses invocations seront profitables pour ses parents. Par conséquent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « un enfant pieux qu'il a laissé, un Coran qu'il a légué, un Coran qu'il a laissé en héritage, soit il a acheté une copie de Coran qu'il utilisait lui-même et puis jusqu'à sa mort, il laisse ce Coran en héritage dans sa famille, ou il a acheté des copies de Coran qu'il a déposées dans une bibliothèque ou dans une mosquée ou dans un centre islamique pour que les gens en tirent profit. » L'essentiel, c'est que les gens en tirent profit. Et c'est valable pour tout livre utile aux gens, utile à l'éducation. Tant que les gens tirent profit de ces
de ses livres, de ses dons, eh bien, l'auteur aura sa récompense. Ça, c'est donc Al-Baqiyat Salihat. Et ça entre également dans le cadre du waqf, donc ce que l'on réserve uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir la récompense dans l'au-delà. Donc, un Coran qu'il a légué, qu'il a laissé en héritage. Et c'est pourquoi les musulmans doivent apprendre à lire le Coran. Parce que le Coran, le noble Coran, c'est la lettre d'Allah subhanahu wa ta'ala à chaque musulman, à chaque musulmane. Aujourd'hui, si un président d'un pays quelconque écrit à un individu, eh bien, il n'y a pas de doute que cet individu va chercher, quelle que soit la langue dans laquelle la lettre est écrite, il va chercher un traducteur pour chercher à savoir ce que ce président lui a dit à travers cette lettre. Et voilà que Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, celui qui commande à tout, celui qui, quand il veut quelque chose, son commandement consiste à dire soit et la chose est, voilà qu'il adresse donc un message, le dernier message à l'humanité. Eh bien, ce Coran, chaque musulman doit le connaître, le lire, et par conséquent, le laisser en héritage. Donc, après sa mort, soit la copie qu'il utilise pour lui-même, ou bien des copies qu'il a achetées et mises à la disposition des gens pour que les gens en tirent profit. Et tant que les gens tirent profit de cela, eh bien, lui, il aura la récompense qui lui parviendra même après sa mort. C'est valable durant sa vie. Est également valable après sa mort. Ça, c'est la troisième œuvre. Donc, un savoir utile qu'il a enseigné et propagé, un enfant pieux qu'il a laissé, un Coran qu'il a légué, c'est-à-dire qu'il a laissé en héritage. La quatrième œuvre, une mosquée qu'il a construite. Donc, la mosquée, c'est la maison de Allah subhanahu wa ta'ala. La réciprocité de comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la réciprocité d'action. Celui qui construit une mosquée pour une maison pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire une mosquée pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va lui construire une maison dans le paradis. Donc, maison, vous avez construit une maison pour Allah ici-bas, Allah va vous construire une maison dans l'au-delà. Donc, la réciprocité de comportement entre le créateur et la créature. Également, la réciprocité dans la nature de la récompense. Al-jaza'u min jins al-amal, de la même façon qu'on œuvre, eh bien on sera récompensé. Celui qui habille, par exemple, qui donne des vêtements, donc des habits à quelqu'un pour s'habiller, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va l'habiller dans l'au-delà. Celui qui fait boire quelqu'un, Allah va le faire boire dans l'au-delà. Celui qui fait nourrir quelqu'un, Allah va le nourrir dans l'au-delà. Donc la réciprocité de comportement et la réciprocité dans la nature de la récompense. Al-jaza'u min jins al-amal, de la même façon qu'on œuvre, on sera récompensé. Donc ici, une mosquée, surtout là où il y a un besoin pressant, donc la mosquée, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, les maisons qu'il a donc permis d'élever sur la terre, et pour que son nom soit évoqué matin et soir. Donc c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, le lieu de culte pour les musulmans, le lieu de rencontre pour les musulmans, chefs et subalternes, grands et petits, hommes et femmes, cinq fois par jour, une fois dans la semaine, c'est-à-dire le jour de vendredi, et deux fois, si c'est la mosquée dans laquelle on prie la prière de Eid, et bien deux fois dans l'année. Par conséquent, la mosquée a toute sa place. Au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée représentait le tout. C'était son bureau, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'était donc son lieu de culte. C'était également son état-major, parce que là, il tenait donc des réunions, il rencontrait les gens, il prenait les décisions concernant la communauté. La mosquée était un tout. Je dirais même que c'était un dispensaire, une clinique, parce qu'on soignait les malades dans la mosquée, et également une prison, parce que les prisonniers de guerre, on les attachait dans la mosquée pour qu'ils puissent entendre les exhortations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est comme ça que certains ont fini par embrasser l'islam. Donc la mosquée, c'est un tout en islam. C'est un tout en islam, et tant que les musulmans donnent à la mosquée toute sa valeur, eh bien, ils vont être également avoir leur valeur auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, et vice versa. Malheureusement, aujourd'hui, si nous regardons nos mosquées, eh bien, il n'y a pas de confort. Il n'y a pas de confort dans les mosquées comme il y a dans nos maisons. Donc, la maison de Allah subhanahu wa ta'ala doit être un endroit confortable, un endroit où il fait
beau vivre, de sorte que si on entre, on ne veut pas sortir, contrairement à la situation de nos mosquées aujourd'hui. Donc ça revient à ce qu'on appelle donc la compréhension donc de la mosquée et de sa place en islam. Donc la quatrième action, dont la récompense continuera à parvenir de la balance de celui qui l'accomplit, c'est le fait de construire une mosquée. Cinquième action, une maison qu'il a bâtie pour l'étranger. En islam, l'étranger est sacré, surtout les voyageurs licites qui voyagent pour aller visiter des parents, qui voyagent pour aller chercher le savoir, qui voyagent pour chercher le moyen de vivre, eh bien, il est sacré. Par conséquent, quand il vient dans un endroit, eh bien, il a droit à une hospitalité de 3 jours. Au-delà de 3 jours, eh bien, on peut lui demander de continuer son chemin ou de chercher un autre logement. Mais jusqu'à 3 jours, il a ses droits. Par conséquent, dans le temps, eh bien, toujours ceux qui construisaient prévoyaient donc une maison, ce qu'on appelle aujourd'hui la case de passage, donc une maison pour l'étranger. Eh bien, celui qui fait cela pour Allah subhanahu wa ta'ala, et dont on loge donc les voyageurs, surtout les voyageurs indigents, eh bien, il aura sa récompense, qu'il soit vivant ou mort. Par conséquent, ça c'est la cinquième action dont la récompense continuera à parvenir à l'homme même après la mort. La sixième action, une source qu'il a fait couler au profit des gens. Donc une source, soit un puits qu'il a creusé, un forage, une pompe. L'essentiel, c'est de faire donc couler de l'eau au profit des gens et en faveur de soi-même ou en faveur de quelqu'un. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que la meilleure action, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on peut faire en faveur d'un défunt, donc de quelqu'un qui est mort, eh bien c'est le fait de lui faire couler de l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit de lui lire le Coran ou de réunir des gens pour lui faire des invocations. Tout cela peut être bien si c'est fondé, mais le prophète nous fait savoir que la meilleure action qu'on peut faire en faveur d'un défunt, c'est lui faire couler de l'eau donc au profit des gens et à sa faveur. Par conséquent, si quelqu'un meurt et que ses héritiers ont les moyens ou il a laissé des moyens dans lesquels on peut faire couler de l'eau en sa faveur, eh bien c'est la meilleure action qu'on peut faire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure action qu'on peut faire en faveur d'un défunt, c'est le fait donc de lui faire couler de l'eau. Donc un puits qu'on creuse, une pompe qu'on tire et qu'on ouvre pour les gens, ou bien un château d'eau comme le forage comme aujourd'hui on le voit. Et ces forages, utilité aujourd'hui, parce que l'eau de ces forages est limpide, potable, et ça contribue à atténuer les problèmes d'eau, surtout dans les grandes villes. Donc ceux qui ont les moyens peuvent creuser ce genre de forage dans les quartiers pour les gens qui ont besoin d'un coup de l'eau. Il y a des gens qui n'ont pas de pompe chez eux, donc s'il y a ce genre de forage, eh bien ils vont en profiter. Et cela, si on le fait pour soi-même, on aura sa récompense, même qu'on soit vivant ou mort. Et si on le fait en faveur d'un défunt, eh bien, la récompense va lui parvenir dans sa balance. Et ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. La meilleure action qu'on peut faire en faveur d'un défunt, c'est lui faire couler donc de l'eau. Par conséquent, ceux qui ont perdu des parents chers à eux et à qui ils veulent être utiles même après leur mort, et bien voilà l'occasion, c'est de chercher un endroit où il y a un besoin pour faire couler de l'eau, soit une pompe, soit un forage, soit un puits. Et bien tant que les gens tirent profit de cette source d'eau, et bien la récompense parviendra à celui en faveur de qui on l'a fait ou on l'a fait. Voilà, chers frères et sœurs islam, donc ça c'est la sixième action dont la récompense continuera à parvenir à l'être humain même après sa mort, d'après ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la dernière action, c'est une aumône qu'il a prélevée de ses biens pendant qu'il était bien portant et vivant. Donc la condition, une aumône pendant qu'on était bien portant et vivant, ce n'est pas pendant qu'on est couché sur le lit de la mort, de l'agonie,
alors que déjà la richesse est répartie entre les héritiers, parce que quand l'homme meurt, eh bien sa richesse est transférée automatiquement à ses héritiers. Par conséquent, il faut faire les aumônes utiles aux gens de son vivant, sans crainte de la mort, sans crainte de la maladie. Et c'est ça qui profite, donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans ses hadiths. Voilà donc cette œuvre dont la récompense est éternelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la récompense de chacune de ses œuvres lui parviendra même après sa mort. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, ça c'est le moyen, le deuxième moyen qui permet de positiver la vie, donc le fait de prolonger la vie productive même après la mort. Vous voyez, donc c'est une œuvre qu'on a posée, mais cette œuvre-là, la récompense est éternelle, c'est-à-dire la récompense est valable tant que les gens tirent profit de cette utilité. Donc soit un savoir utile qu'on a enseigné et propagé, soit un enfant pieux qu'on a laissé et qui continue à implorer Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir en faveur de ses parents, soit un Coran qu'on a légué, qu'on a laissé en héritage, ou des copies de Coran qu'on a achetées et mises dans une bibliothèque, dans une mosquée, dans un centre islamique, soit une mosquée qu'on a construite pour Allah subhanahu wa ta'ala, soit une maison pour l'étranger qu'on a bâti, soit une source qu'on a fait couler au profit des gens et en faveur de soi ou en faveur de quelqu'un parmi les chers à soi qui ne sont plus de ce monde, ou bien une aumône qu'on a prélevée de ses biens pendant qu'on était bien portant et vivant. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la récompense de chacune de ses œuvres lui parviendra même après sa mort. Voilà, chers frères et sœurs en islam, dans ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité donc cette bonne œuvre dont la récompense de chacune parvient à celui qui l'accomplit même après sa mort. Ce sont un savoir utile, ça c'est un savoir utile qu'on a enseigné et propagé. Donc les savoirs, il ne faut pas les garder, il faut l'apprendre, il faut les chercher et les transmettre. C'est pourquoi chaque fois, contrairement à la tradition, j'ai même oublié aujourd'hui, chaque fois nous rappelons à tous que nous avons une triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'apprendre, donc l'acquisition du savoir, ça c'est la première responsabilité. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Il ne faut pas apprendre le savoir, il faut seulement, c'est un préalable, il faut l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et se conformant à la recommandation de notre prophète et bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: Balligo anni walou aya, transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Par conséquent, le savoir, donc, c'est la première œuvre. Deuxième œuvre, un enfant pieux qu'on a laissé après sa mort. Eh bien, comme je l'ai dit, l'enfant, les invocations de l'enfant sont valables, sont utiles, profitables aux parents, qu'ils soient morts ou vivants. Par conséquent, il faut. Et la meilleure des invocations, c'est Allahoufir lahu wa rahamhu. Donc, demander le pardon et la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la formule la plus simple, mais la plus globale. Demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala aux morts. Donc, troisième action, un Coran ou tout livre de science islamique qu'on a laissé après sa mort. Soit on est auteur donc de ces livres, ou bien on l'a facilité aux gens par sa tradition, par son commentaire, les tafsirs, ou par le fait de l'acquérir, de l'acheter et de le mettre à la disposition des gens. L'essentiel, c'est que on a laissé quelque chose après soi et dont les gens vont tirer profit, et par conséquent, on aura sa récompense. Innamal amal binia. Il faut le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas le faire parce qu'on est ceci, parce qu'on est cela, ou bien parce qu'aujourd'hui on occupe tel poste ou tel poste, mais il faut le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les œuvres qui ne sont pas faites pour Allah ne profitent pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute œuvre qui n'est pas faite pour Allah subhanahu wa ta'ala, même les adorations obligatoires, comme la prière, le jeûne, le hajj, la umrah, si elles ne sont pas accomplies pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il n'y aura pas de récompense auprès de lui, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué. Par conséquent, le Coran qu'on peut laisser, ou tout livre de science islamique qu'on peut laisser, eh bien, c'est qu'on les laisse donc au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala,
d'abord qu'on les cherche, on les quiert à cause de Allah subhanahu wa ta'ala, et puis on les laisse à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà l'œuvre qui profite. Voilà l'œuvre dont la récompense va continuer même après la mort de son notaire. Quatrième œuvre, une mosquée qu'on a construite. Donc la mosquée, c'est la maison de Allah subhanahu wa ta'ala. De la même façon que vous avez construit une maison pour Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous construire une maison dans le paradis. Donc la réciprocité de comportement entre le serviteur et son seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il construit une maison pour quelqu'un dans le paradis, cela veut dire que ce quelqu'un sera introduit, inshallah, au paradis. Parce que ce n'est pas imaginable que on construit une maison pour quelqu'un dans un lieu, donc dans le paradis, et qu'il aille ailleurs. Waliyad billah. Par conséquent, c'est une façon d'avoir, inshallah, une maison auprès de Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis, et par conséquent d'être introduit au paradis. Cinquième action, une maison qu'on a construite pour l'étranger. Là aussi, si c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on aura une maison dans le paradis. Donc toujours la réciprocité de comportement et la réciprocité de récompense, donc de la nature. De la même façon qu'on œuvre, eh bien on sera récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Sixième action, une source d'eau ou un puits ou un forage ou une pompe, l'essentiel, une source d'eau qu'on a fait couler au profit des gens. Tant que les gens tirent profit de cela, eh bien on aura sa récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on peut avoir la récompense dès ici-bas, c'est-à-dire avant sa mort, et c'est valable également après la mort, tant que, en tout cas, la source continue à exister et que les gens continuent à en profiter. Septième œuvre, et c'est pourquoi celui qui a les moyens, ou qui a les moyens, eh bien, qu'il doit prendre conscience de cela. Il doit prendre conscience de cela, il doit chercher les œuvres dont la récompense va continuer même après la mort. Comme une école, comme une clinique, un dispensaire qu'on construit et qu'on met à la disposition des gens. En passant par l'autorité politique ou non, en tout cas, si on fait cela pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est ça la condition. C'est ça la condition, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, innamal amal bin niya. Donc, tout ce que l'on fait, si c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on le trouvera auprès de lui. Si c'est pour autre chose, eh bien, c'est pour autre chose. Par conséquent, ceux qui ont les moyens, eh bien, ils doivent prendre conscience de ces genres de hadiths et chercher à accomplir des actions de grande envergure qui non seulement permettent au pays de se développer davantage, mais également d'avoir leur récompense dans l'au-delà. Donc construire des écoles dignes de l'être humain, construire des dispensaires, des cliniques dignes de l'être humain, construire des maisons dignes de l'être humain et mettre les pauvres, les orphelins, les veuves, c'est ce qu'on appelle donc al-waqf, donc le waqf en islam. Et tant que les gens font cela, tant que les gens prennent donc soin de couches faibles de la société, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala prendra soin d'eux, comme cela est confirmé dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Allah dit, cherchez-moi auprès de vos faibles, c'est-à-dire les pauvres, les indigents, les démunis de la société, ceux qui ont les besoins. Donc construire des maisons et les mettre à leur disposition, eh bien ça c'est ce qu'on appelle le waqf honora. Donc ça récompense de façon éternelle. Et cette maison, si une fois on l'a mise à la disposition d'une catégorie de pauvres, de besogneux, eh bien même les héritiers après la mort de l'auteur n'ont pas le droit de revenir sur sa parole et de reprendre donc cela. Par conséquent, c'est quelque chose auquel ceux qui ont les moyens doivent donc réfléchir, doivent penser pour donc éterniser inshallah leur mémoire, éterniser également leur récompense auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela ressort à travers ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Septième et dernière action, une aumône qu'on a prélevée de ses biens est un bien portant et vivant, donc pas par crainte d'une maladie ou de la mort, mais uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces œuvres sont valables uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si on a construit une maison, une mosquée, mais ce n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est juste pour diviser les gens, eh bien, on n'aura pas de récompense auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, on encourt un péché, on encourt une punition, parce qu'on a divisé les gens au lieu de les unir. Donc, ça c'est le deuxième support qui permet de positiver la vie productive après avoir donc vu le premier support qui est donc la capacité de programmer sa vie productive. Maintenant, le deuxième support, c'est
la connaissance des œuvres qui permettent de prolonger la vie productive même après la mort. Et nous avons vu donc le fondement à travers le noble Coran, le fondement à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus précisément ces hadiths dans lesquels il y a donc cette œuvre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité et qui permettent donc à leur auteur ou à celui qui les accomplit d'avoir une récompense garantie et qui continue tant que les gens tirent profit de ce qu'il a laissé après lui. Troisième support, pour terminer, le troisième support qui permet de positiver la vie est la conviction d'être digne de recevoir la miséricorde divine, c'est-à-dire le droit à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons voir que c'est un problème. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand je dis beaucoup, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala en réalité qui connaît le pourcentage. La proportion des gens, surtout des musulmans, surtout des gens qui vivent donc dans la pauvreté, dans la gêne, dans le retard, eh bien c'est difficile pour eux donc d'avoir ce troisième support. Comme nous allons voir cela, donc le troisième support qui permet de positiver la vie est la conviction d'être digne de recevoir la miséricorde divine, c'est-à-dire le droit à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que les gens sont vraiment convaincus qu'ils méritent la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que les gens sont vraiment convaincus qu'ils méritent les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pour qui Allah subhanahu wa ta'ala les a créés? C'est pour nous. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطِنَةَ. Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti, vous a soumis tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Donc, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, il a créé pour l'être humain. Et il a créé l'être humain pour son adoration. Par conséquent, il faut être convaincu et totalement convaincu qu'on mérite la miséricorde divine, qu'on a droit à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette portion de sa miséricorde qu'il a fait descendre sur la terre alors qu'il a gardé les 99% auprès de lui pour récompenser les bienfaiteurs dans le paradis. Chers frères et sœurs, donc le droit à la miséricorde divine, c'est ça, malheureusement, comme je l'ai dit, voilà l'une des causes les plus primordiales qui attire la miséricorde divine, et voilà aussi l'un des problèmes les plus fondamentaux auxquels les serviteurs sont confrontés aujourd'hui. Surtout les gens qui vivent dans les difficultés, dans la maladie, dans la pauvreté, dans la gêne, dans le retard, dans l'ignorance, etc. Pour eux, waliyad billah, il peut arriver à un stade où la personne se demande, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala le voit? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime, waliyad billah? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a pas oublié? Donc quand on arrive à ce stade, eh bien, c'est le stade de la déception, c'est le stade donc du découragement vis-à-vis ce qu'on appelle al-yasmi rahmatullah waliyad billah. Donc le fait donc de se décourager par rapport à la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est un péché, parce que il n'y a que les perdants, il n'y a que les égarés qui désespèrent donc de la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela quel que soit le problème, quelle que soit la situation ou l'état dans lequel on se trouve, on ne doit jamais désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième support donc qui permet de positiver la vie, c'est la conviction totale d'être digne de recevoir la miséricorde divine, c'est-à-dire le droit à la miséricorde divine. Donc c'est l'une des causes les plus primordiales qui attire la miséricorde divine, et aussi l'un des problèmes les plus fondamentaux auxquels les serviteurs sont confrontés. En effet, bien que gratuite, elle semble difficile à acquérir pour beaucoup de serviteurs, surtout dans les situations. Cette conviction, elle est gratuite, parce qu'on ne va pas chercher à la pharmacie, on ne va pas donner de l'argent pour l'avoir, elle est gratuite. Donc c'est en fait, ça fait partie de l'éducation qu'on a donnée aux gens, aux enfants pendant leur ou bien à l'âge adulte. Donc bien que gratuite, elle semble difficile à acquérir pour beaucoup de serviteurs, surtout dans les situations de difficulté, de pauvreté, de gêne, d'ignorance, de maladie. Pourtant c'est cette conviction qui conditionne l'ouverture de toutes les portes de miséricorde divine sur lesquelles les serviteurs peuvent frapper. Donc, toutes les portes, que ce soit les portes de la porte de la santé, la porte de la richesse, la porte de la force, la porte du savoir,
la porte du savoir, n'importe quelle porte parmi les portes de la miséricorde divine à laquelle on veut taper, eh bien c'est cette conviction qui conditionne donc l'ouverture de la porte. Donc c'est cette conviction, la conviction d'être digne de recevoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou si vous voulez le droit à la miséricorde divine, eh bien c'est cette condition-là qui permet ou qui conditionne l'ouverture de toutes les portes de miséricorde divine sur lesquelles les serviteurs peuvent frapper. Elle est dans les relations avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce que les catalyseurs et dans les réactions chimiques. Donc ceux qui ont fait la physique chimiste savent ce que, de quoi nous parlons. Que peut obtenir d'Allah subhanahu wa ta'ala celui qui n'est pas convaincu qu'il est digne de recevoir la miséricorde divine? Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, peut-être que nous allons même voir les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam justement, qu'il faut invoquer Allah, ud'u Allah wa antum muqinun bil ijaba, implorer Allah, invoquer Allah, étant convaincu de la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'exaucement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon c'est inutile. Pourquoi invoquer quelqu'un dont on n'est pas sûr qu'il va nous répondre, alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a dit, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Votre Seigneur a dit, invoquez-moi, demandez-moi, je vous répondrai, ud'uni astajib lakum wa idha sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an. Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle, donc de façon instantanée. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque quand il m'invoque, de façon instantanée. Par conséquent, ça c'est cette conviction-là, c'est ça, c'est elle qui conditionne toute l'ouverture de toutes les portes sur lesquelles on peut frapper, les portes de la miséricorde divine. Parce que peut obtenir de là celui qui n'est pas convaincu qu'il est digne de recevoir la miséricorde divine? Et c'est pourquoi nous voyons qu'aujourd'hui même, invoquer Allah, pour beaucoup de musulmans, c'est un problème. Ils pensent qu'ils ne sont pas dignes d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils demandent donc aux gens, ce n'est pas interdit de demander aux gens d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala à leur faveur. Mais ce que Allah veut, c'est que quand tu es dans une épreuve, que tu retournes à lui. Que tu retournes à lui pour que tu exposes toi-même ton problème. Parce qu'en réalité, personne ne peut exposer ton problème à Allah subhanahu wa ta'ala comme tu peux le faire. Donc, que peut obtenir d'Allah celui qui n'est pas convaincu qu'il est digne de recevoir la miséricorde divine? Si vous n'êtes pas sûr que la porte à laquelle vous allez frapper, on va l'ouvrir pour vous, donc pourquoi frapper? Pourquoi frapper? Pourquoi invoquer Allah subhanahu wa ta'ala? Et c'est pourquoi nous voyons les gens, ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala pour un problème de santé, de pauvreté, d'ignorance, de ceci, de cela, pendant quelques jours, quelques mois, et puis on dit, bon, j'ai invoqué jusqu'à fatiguer. Maintenant, il va chercher à faire autre chose. Jusqu'à être fatigué. Est-ce que tu sais si Allah subhanahu wa ta'ala a répondu ou il n'a pas répondu? De toutes les façons, il ne manque pas à sa parole. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Demandez-moi, je vous donnerai. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque nuit, Allah descend au ciel le plus proche. Et il dit, qui m'invoque pour que je l'exauce? Qui me demande pour que je lui donne? Où sommes-nous par rapport à tout cela? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir également qu'il se soucie de nous grâce à nos invocations. Votre Seigneur ne saurait se soucier de vous, n'était-ce vos invocations. Donc grâce à l'invocation, Allah se soucie du serviteur. Et par conséquent, il va répondre à sa solicitude et lui donner ce qu'il demande. Que peut obtenir d'Allah celui qui s'exclut de la miséricorde divine, qui embrasse toute chose, au rahmati, wasi'at kulli shay'in, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ma miséricorde embrasse toute chose. Es-tu une chose ou non? Tu es un être humain, tu es une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi t'exclure de cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui embrasse toute chose? Même Satan, Shaitan, Diable, Iblis ne s'est pas donc désespéré, n'a pas désespéré de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, c'est dans cela qu'il continue à vivre jusqu'à la fin du temps. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala s'est appelé Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux dont la miséricorde ne fait pas de distinction entre les créatures. Et Ar-Rahim, le très miséricordieux dont la miséricorde est réservée à une partie donc de ses serviteurs, à savoir les bienfaiteurs dans l'au-delà. Donc que peut obtenir d'Allah celui qui s'exclut de la miséricorde divine, qui embrasse toutes choses,
de qui ou de quoi espérer la miséricorde si on ne l'espère pas d'Allah, à qui appartiennent tous les trésors des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, tout est dans sa main. Et personne ne peut obtenir quelque chose de la part de quelqu'un, auprès de quelqu'un, sans la volonté expresse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même si c'est quelqu'un qui nous donne, en réalité, c'est à travers la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que masha'Allah kana, o man lam yash'al lam yakun, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ce que Allah veut se réalise, et ce qu'il ne veut pas, ne peut jamais se réaliser. Il n'y a de force ni puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, le temps consacré à cette émission tire à sa fin. Généralement, il y a trois grandes causes qui empêchent un croyant d'avoir cette conviction. La conviction d'être digne de recevoir la miséricorde divine, eh bien, il y a trois causes qui empêchent un croyant d'avoir cette conviction, à savoir la considération de ses péchés, le manquement à certaines obligations religieuses et la faiblesse de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, certains, ils regardent leurs péchés. Or, tous les fils d'Adam, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les fils d'Adam, sans aucune exception, kullu bani Adam, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al anta min bani Adam, es-tu parmi les fils d'Adam ou autre? Si tu es parmi les fils d'Adam, eh bien, le péché fait partie de nature, fait partie de ta nature. Mais il y a péché et péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam précise, au khairu khata'in at-tawwabun. Et les meilleurs de pécheurs, les meilleurs de fautifs sont ceux qui se répandent. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala s'est appelé le pardonneur, le ghaffar, celui le grand pardonneur. Par conséquent, les péchés ne sont pas un problème. Le problème, c'est le fait qu'ils nous empêchent de nous adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les péchés ne sont pas un problème, mais c'est le fait de ne pas se repentir des péchés. Par conséquent, il ne faut pas considérer ces péchés. Allah veut justement, quand on commet des péchés, qu'on revienne à lui, en sachant qu'on a un Seigneur qui punit pour les péchés, qui pardonne les péchés. Par conséquent, il faut demander son pardon. Le manquement à certaines obligations religieuses, donc on voit que nous, bon, on n'est pas religieux, on ne fait pas trop, on ne prie pas régulièrement, on ne jeûne pas tous les lundis, tous les jeudis, on n'est pas en fait un homme de Dieu. Par conséquent, on ne peut pas s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, on va chercher quelqu'un qui fait tout cela pour... Donc Allah ne veut pas ça, Allah ne veut pas les intermédiaires. J'ai dit, ce n'est pas interdit de demander à quelqu'un d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en notre faveur. Mais quand ça devient du commerce, il faut payer la personne pour qu'elle fasse ses invocations, eh bien ça c'est autre chose. Par conséquent, Allah veut que les serviteurs reviennent à lui et qu'ils demandent donc son assistance. Voilà, la troisième cause, c'est la faiblesse de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Cette dernière constitue la cause principale qui entraîne le manque de conviction, car quand la confiance du serviteur est faible vis-à-vis d'Allah, de sa parole, de ses promesses et menaces, il s'ensuit naturellement une faiblesse, voire une absence totale de conviction vis-à-vis de tout ce qui est relatif à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien automatiquement on arrive à avoir confiance en soi. Et quand on a confiance en soi, eh bien on peut affronter les vicissitudes de la vie sans rien craindre, parce qu'on sait que Allah subhanahu wa ta'ala est à notre côté. Chers frères et sœurs en islam, en réfléchissant sur ces trois causes, on voit qu'elles résultent de l'ignorance du serviteur vis-à-vis d'Allah et de ses attributs, vis-à-vis de sa propre nature adamique incline au péché, et vis-à-vis de sa religion, plus précisément de l'étendue de la miséricorde divine qui n'exclut aucune créature sauf celle qui s'y exclut volontiers. À propos de cette conviction, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un hadith sacré, ana inda dhanni abdi bi falyadhun bi abdi ma sha, je suis auprès de l'opinion que s'est fait de mon serviteur, que s'est fait de moi mon serviteur, que mon serviteur pense donc de moi ce qu'il veut, rapporté par Al-Bukhari. Donc vous voyez, et dans une autre version, Allah subhanahu wa ta'ala dit toujours dans les hadiths sacrés, dans une autre version, il dit, je suis par rapport à mon serviteur comme il me conçoit. S'il pense bien de moi, il l'aura. Et s'il pense mal de moi, il l'aura. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, eh bien, il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith souligne l'importance et l'obligation d'avoir non seulement une bonne opinion vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également vis-à-vis de soi. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que nul d'entre vous ne se minimise ni vis-à-vis du Créateur, car il ne connaît pas sa vraie place auprès de lui et sa vraie valeur auprès de lui, ni vis-à-vis des créatures, qu'il ne doit pas craindre quelle que soit sa situation. Voilà, chers frères et sœurs en islam,
notre temps pour cette émission arrive à sa fin. La conviction d'être digne de recevoir la miséricorde divine est fondamentale dans la recherche et l'obtention de nos désirs et besoins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, comme nous l'avons déjà signalé, Udu'ullaha wa antum mukhinuna bil ijaba. Invoquez Allah étant certain et convaincu qu'il vous exaucera. Donc il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec la conviction de sa réponse. Notez que c'est ce qui est valable pour l'invocation est valable pour toutes les affaires. Soyons ainsi certains et convaincus que nous méritons tous la miséricorde divine ici-bas et de l'au-delà, et que cela se traduise désormais dans nos actes, dans nos paroles, dans nos comportements, de sorte que face à tout événement, la première des choses à laquelle nous devons penser soit la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette conviction ne doit pas cependant nous empêcher de déployer les moyens nécessaires pour gagner davantage la miséricorde de notre Seigneur, et c'est cela en vérité la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà en gros les principaux supports qui permettent de positiver la vie avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soulignons pour terminer que l'homme positif se distingue du commun des hommes par ses qualités et particularités, dont les plus importantes se résument en 10 points malheureusement que nous ne pouvons pas voir ici parce que le temps consacré à cette émission est arrivée à sa fin. Par conséquent, nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah. Nous aurons l'occasion de voir ces 10 qualités qui distinguent le positif par rapport aux autres. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim wa tub 'alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Allahumma izzil islam wal muslimin fi kulli makan wa waffiqna da'iman lima tuhibbu wa tarda min al-aqwal wal af'al wal ahwal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala 'abdika rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamu 'alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya Allah, même dans le noir, tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasoul Allah. La paix.